Bonjour tout le monde. On vous souhaite la bienvenue à cette deuxième démonstration de la journée. Alors, je me présente, Denis Paquin. Je suis chef enseignant à l'École hôtelière de Montréal, Calixte-la-Vallée, et membre de la Société des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec. Aujourd'hui, les démonstrations sont rendues possibles grâce à la participation de plusieurs commanditaires. Mais avant de vous présenter nos commanditaires, je vais vous présenter notre chef aujourd'hui, donc Olivier Martin Sicotte, du restaurant Le Samuel. Bonjour. Donc, tu vas nous cuisiner, Martin, Olivier. Aujourd'hui, je vais vous faire un orgeato crémeux au gré des chèvres, fromage péringouin, champignons sauvages et escalope de foie gras poêlé. OK, donc les démonstrations sont possibles grâce à la participation du marché public du Vieux-Saint-Jean, de Tourisme Saint-Jean sur Richelieu et Région, de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Également, la contribution de Cuisimeuble qui nous a fourni l'équipement nécessaire pour les démonstrations, Canada Français, Aliments du Québec, le MAPAC, la Corporation du Fort Saint-Jean, Pépinière Jean-Cartier, les assurances Piché et le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. Alors voilà pour nos commentaires. C'est toujours important qu'on puisse les mentionner parce que sans eux, bien souvent, ce genre d'activité est rendu difficile à réaliser. Donc, comme vous l'a dit M. Paquin, on va faire un orgeato aujourd'hui. Donc, l'orgeato, même principe qu'un risotto, sauf qu'on va changer le grain, on va utiliser de l'orge. Donc, pour amener une nouvelle céréale dans sa routine qui est à chaque semaine, manger tout le temps du riz, des patates, on ajoute l'orge cette semaine. C'est vraiment simple. Pour faire un orgeato, il y a deux façons de faire. On peut faire suer doucement son orge, la bien la nacrer, ajouter le bouillon, puis verser jusqu'à temps que l'orge soit cuit. Cette technique-là prend une heure. Aujourd'hui, je vous montre un petit raccourci. Donc, le raccourci, c'est qu'on va faire blanchir notre orge pendant 20 minutes dans du bouillon de volaille, de l'eau salée, pour ensuite la refroidir. Donc, ça va vous donner des temps libres à la maison. Quand vous arrivez, vous avez une demi-heure, l'orge est prêt, on a juste à faire l'orgeato, puis c'est prêt à tout ça fait. Donc, pour 4 personnes, vous allez utiliser environ une tasse et demie d'orge perlée, mondée. Donc, vous la versez dans le fond de volaille, juste ici. Vous la cuisez pendant 20 minutes. Pendant ce temps. OK, donc pour l'orge, c'est pas comme pour un riz pilaf. On met beaucoup de liquide. Après ça, on va goûter l'orge une fois qu'il sera cuit. Donc, ensuite, pour les champignons sauvages, la variété qu'on a aujourd'hui, je vous ai fait une petite assiette ici pour vous démontrer. On a le champignon homard, on a la chanterelle à pied bleu, vous avez les armillaires miel, la chanterelle et les pleurotes boréales qui viennent tout droit de Magog, un producteur qui s'appelle les Champs Mignons, qui nous fournit nos champignons à nous au restaurant pour amener les produits locaux dans nos cuisines puis pour vous faire goûter ici. D'ailleurs, le foie gras que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un foie gras qui a été produit par la femme Brigitte Palmex à Marieville, qui est à peine à 15 km d'ici. Notre philosophie au restaurant, c'est d'utiliser les produits locaux, d'encourager les entreprises locales, justement. Puis en même temps, vous pouvez les goûter au restaurant. Donc ça vous fait voir qu'est-ce que la région a nous apporter aussi. Alors vous allez voir, c'est toujours une préoccupation pour les chefs d'utiliser les produits de la région ou sinon les produits du Québec. Alors bien sûr, les produits qui viennent de régions avoisinantes sont tout aussi intéressants, mais avant tout, c'est d'utiliser les produits de chez nous, c'est un élément excessivement important. Donc, pour les champignons, quand vous voulez les faire sauter, s'assurez que votre poêle soit très chaude. Vous ajoutez une huile d'olive. Vous attendez que l'huile chauffe bien. Quand vous voyez une petite légère fumée comme ça, c'est le moment de mettre les champignons. Vous les mettez tous d'un coup. Alors ça, c'est vraiment important que la poêle soit vraiment bien chaude. En cuisine, les cinq sens interviennent toujours. Donc, on entend le grésillement. Donc, au niveau de l'huile, c'est important. Si la poêle n'est pas assez chaude, on va rater la cuisson des champignons. L'eau va sortir, ça va durcir, ça va bouillir dans la poêle plutôt que de saisir colorée comme tel. Donc, c'est important de ne pas les remuer parce que le champignon est composé à 90% d'eau. Donc, si vous remuez souvent vos champignons, l'eau va sortir, les champignons vont se trouver à bouillir dans la poêle. C'est pas ça qu'on veut. On va les caraméliser, les sucres du champignon. On va avoir un petit côté croustillant et une belle saveur au niveau du champignon. Donc, je vais démarrer ça ici.
Dans les champignons, il y a beaucoup de variétés. Vous avez ici, au marché, vous pouvez trouver des petites fleurottes miniatures, certaines cultures locales. Vous pouvez ici, juste à côté, madame, ici au bout. L'huile d'olive également, on peut la trouver ici au marché comme telle. Donc des produits, des producteurs locaux, des transformateurs locaux. Donc important de les encourager. Donc, comme je vous disais au préalable, vous pouvez faire cuire votre orge avant. Vous la refroidissez sur une planche à biscuits comme ça ici. Vous pouvez la garder une à deux journées au frigo. Donc ça vous donne un petit 30 minutes d'avance comme je vous disais tout à l'heure. Donc votre orge est ici. Vos champignons sont en train de cuire. Vous les remuez pas trop souvent, non. Une fois ou deux, vous voyez que ça commence à colorer. C'est le moment où on peut ajouter l'échalote ciselée. Donc, l'échalote française, vous faites un petit morceau, vous ajoutez l'échalote, parce que si vous l'ajoutez au début, votre échalote va trop cuire, va donner un goût amer à votre préparation. Alors, Olivier parle d'échalote ciselée, c'est tout simplement de l'échalote hachée, tout simplement. Également, tantôt, il a utilisé notre terme culinaire qui était nacré. Donc, nacré, c'est là qu'on fait revenir le riz ou l'orge dans le corps gras. On le mélange bien pour le faire, en faisant chauffer de façon à bien enrober chacun des grains d'une fine couche de matière grasse. Bon, quand vous avez ajouté l'échalote, vous pouvez ajouter 2 ou 3 petits cubes de beurre. Si vous aviez ajouté votre beurre au début, vous aurez commencé à tourner noisette puis presque noircir. On ne veut pas aller chercher ça parce que le goût va être altéré. On va aller chercher un bon goût de beurre frais. Donc, on l'ajoute, on tourne 2-3 coups, on le laisse fondre doucement, les champignons vont finir de cuire. Pendant ce temps-là, on va faire l'escalope de foie gras poêlée. Donc, pour le foie gras, c'est très simple. Une autre poêle de l'autre côté, très chaude encore, pour que la poêle soit presque fumante. Vous avez vos escalopes de foie gras. Donc, le foie gras rougit ici, les vents en escalope. Ce qu'ils font de particulier, c'est que quand à l'abattage du canard, ils vont retirer le foie du canard, couper en escalope et le surgeler immédiatement. Ce qui va protéger les enzymes du foie gras, qui va diminuer le taux de fonte dans votre poêle. Donc pour assaisonner le foie gras, très simple, on prend un petit peu de fleur de sel. On va aller déposer une petite pincée sur chacun. Deux ou trois tours de poivre du moulin sur chaque escalope. Lorsque notre poêle est chaude, on va déposer le foie gras dessus. Il manque un petit peu de chaleur, je vais attendre pour la prochaine. Donc, lorsque les champignons, vous voyez qu'ils sont bien cuits comme ça, on peut ajouter du sel. Important de ne pas ajouter le sel au début, parce qu'encore une fois, ça va faire dégorger le champignon, puis l'eau va se ramasser au fond de la poêle, vous allez bouillir vos champignons encore une fois. Quand ça c'est terminé, vous allez déglacer avec environ 100 ml de vin blanc. Et vous allez laisser réduire de moitié. Par la suite, on va juste ajouter l'orge que vous avez déjà pré-cuit. On ajoute l'orge à l'intérieur, puis on laisse réduire le vin blanc au complet. Et voilà. Alors, une façon intéressante aussi de faire un orgetto ou l'équivalent d'un risotto, de façon plus rapide, qui demande un petit peu moins de suivi d'attention. Donc, formule gagnante et fort intéressante. Donc, je vous laisse un petit trou au milieu. Vous allez voir tout le temps la quantité de liquide que vous avez. Quand vous voyez que le liquide est dissipé, tout absorbé par l'orge, vous allez ajouter un peu de fond de volaille. Donc, on commence par environ 200 à 250 ml pour commencer. On va laisser ici s'incorporer à l'orge. En brassant, de temps en temps, on va développer l'amidon, puis ça va vous permettre d'avoir un résultat qui est un appareil qui est quand même assez soyeux, puis qui est bien amalgamé. Donc maintenant, je peux déposer les escalopes. Donc avec le foie gras, c'est très important ne pas le surcuire. Donc au début, on y va avec une chaleur qui est très vive, très chaude. On va diminuer ensuite l'intensité pour l'amener à moyen ou à très bas, tout dépendamment de votre peau, comme elle chauffe. On va essayer ici. Ce qui est important aussi, c'est de bien débarrasser le gras
qui va se retrouver en surplus dans votre poêle. Parce que dans le fond, ce qui va faire fondre beaucoup de foie gras, c'est l'excédent de gras, puis on ne veut pas trop poche dedans. Donc avec une petite spatule, vous retenez votre foie gras, vous débarrassez dans un petit contenant de métal ou pas en plastique de préférence, puis vous laissez cuire. Est-ce que c'est un des plats que tu fais au restaurant, Olivier? Pas cette version-ci. On a le foie gras qui est saisonnier au Samuel. Dans le fond, ce temps-ci, on utilise la tarte au bleuet et amandes avec un fond au gingembre puis un petit chutney de bleuet autour. Dans le fond, on essaie de travailler en même temps avec les saisons. Nos produits, nos bleuets viennent de chez la ferme Forgette, qui est ici à Saint-Jean, près de Saint-Jean. Donc encore une fois, on essaie d'encourager les produits locaux. Pendant que tu mélanges, quel type de cuisine vous faites au Samuel? On essaie de ne pas avoir un type particulier. On a une cuisine du marché qui se passe à saveur méditerranéenne et française. C'est une cuisine gourmande, des bonnes portions dans les assiettes, rien pour que vous sortiez avec vos pantalons qui font plus, par exemple. Mais on essaie d'avoir l'équipement, pas trop de mélange de saveurs dans les assiettes, quelque chose qui est bien. Comme pour les foie gras, quand ils sont saisis, on les retourne tout simplement. Et voilà. Donc, nous autres, sur votre côté, on garde la même intensité, puis on laisse cuire doucement. Pardon? Je dirais saisi d'un côté pendant 3-4 minutes, puis de l'autre côté, encore un bon 4 à 5 minutes, doucement. À la maison, on peut tricher un peu parce qu'on a un four. Donc, certains chefs vous diront, on ne met pas au four, d'autres chefs vous diront, on peut le mettre au four. Deux écoles de pensée. Si vous le mettez au four, vous saisissez rapidement de 2 minutes sur chaque côté, vous l'envoyez au four pendant environ 4 minutes à 400 degrés Fahrenheit. Pour pas que le foie gras perde tout son gras, donc avec une chaleur intense. Puis sinon, si vous le faites à la poêle, doucement comme ça, il va finir de cuire au centre. Je vais le retourner une dernière fois pour finir sa cuisson, puis après ça va être parfait. Donc vous voyez ici, le bouillon commence à être presque tout disparu à l'intérieur de l'orgeton. Donc là, j'ai tout bu le bouillon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser du fromage pour lier l'appareil. Le fromage que j'utilise aujourd'hui, c'est du Grès des Champs, donc la fromagerie au Grès des Champs, qui est un fromage fermier, le bio, qui est juste ici, à Mont-Saint-Grégoire. Donc, on ajoute généreusement du fromage, environ 100 grammes pour la tasse et demie d'orge que vous avez mis au préalable. Puis, doucement, vous incorporez le fromage. Rendu à ce moment-ci, c'est important de ne pas avoir le feu à maximum. On reste le feu à minimum, puis on incorpore doucement le fromage. Et puis lorsque vous voyez que c'est bien incorporé, c'est le moment d'ajouter le péningouin, qui est un autre fromage de la fromagerie au Grès des Champs. Donc un fromage à pâte mi-ferme, à pâte affinée. Puis c'est ce qui va permettre de donner un petit goût beurré, puis une texture crémeuse au risotto. À l'orgeotto, pardon. Alors, l'orgeotto comme le risotto, ça c'est toujours un produit qui est crémeux à la fin. Donc, le fromage, et surtout avec sa première fois de résultat avec le péningouin, ça donne un goût vraiment très intéressant. Donc, encore une fois, on vient retirer le surplus de gras. Et on va retourner encore une fois les foie gras sur la première face. Pour terminer la cuisson. Donc vous voyez, l'appareil est bien crémeux. On voit le fromage qui commence à s'étirer à l'intérieur. Ça nous dit que c'est le temps d'assaisonner. Donc, on rassaisonne une deuxième fois l'orge. On mélange. Quelques tours de poivre. Et puis là, parce que c'est le moment de terminer, juste à la dernière minute, on va ajouter des oignons verts émincés pour qu'on puisse garder le croquant et le petit goût vif de l'oignon vert. Donc environ la moitié d'une botte. On ajoute ça à l'intérieur ici.
Voilà. Donc on laisse reposer juste une petite, 30 secondes pour être certain que tout le liquide soit bien incorporé à l'intérieur. Pour le foie gras, on vient le déposer sur une grille ou sur un papier essuie-tout, juste pour absorber l'excédent. On le laisse reposer environ 30 à 35 secondes. Comme ça ici. Et ensuite, on va venir dresser. Donc aujourd'hui, je vous donne un petit style un peu plus rustique. On va prendre la petite cocotte en fonte. On vient déposer au fond, l'orgeton. Vous voyez, il vient coulant, il n'est pas trop solide. Donc on laisse ça comme ça, c'est parfait. Sur le dessus, on va venir déposer l'escalope de foie gras. Et puis, une petite pincée de fleur de sel pour terminer. Et voilà. Et nous pouvons le jouer. Bravo Olivier. Alors, on vous a fait une présentation d'une assiette totale. Avec les autres portions, on va faire des petites portions de dégustation. Donc, vous aurez la chance de venir goûter. Ça vous donnera un avant-goût de ce que vous pourrez apprécier au restaurant de Olivier, de Samuel. Et pour les prochaines semaines, donc samedi prochain, deux autres démonstrations, toujours 9h30 et 11h. Samedi prochain, on reçoit Mme Carole Séguin du restaurant Alice. Alors, il y a des recettes qui sont distribuées, si vous voulez avoir la recette. Le l'orge perlé. Ici, c'est une l'orge perlé. Brûlé, on peut s'en servir du gras, il n'y a pas de problème. Mais si par contre il a commencé à brûler, si on n'en serve pas, ça dénocite et c'est pas très bon non plus au goût. Vous voyez, vous avez remarqué comment l'orge est crémeux et le goût qui est absolument super avec le. De l'orge perlé que vous trouvez à l'épicerie, au supermarché, ou en vrac, au hall ici, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre n'importe laquelle. Ben, vous pouvez le faire, ça va être plus long à cuire, la texture va être différente, donc si on compare l'orge mondée et l'orge perlé, ça va donner le même résultat que si on prend du riz brun et du riz blanc. Donc. C'est sûr que l'orge mondée va être plus nutritif, mais ça va donner beaucoup plus d'amidon aussi. Au restaurant, on peut faire directement avec Famix Rouget, la ferme directement. Par contre, vous avez les escalettes qui sont en genre épicerie surgelée, ça fonctionne aussi. Ça vous va, c'est vrai.
Perlé. Oui, perlé. Non, les recettes sont distribuées. Il y a quelqu'un qui les distribue autour. Non, ça c'est juste, ça annonce les prochains chefs qui vont faire des présentations. Des recettes, vous avez ici derrière. Oui. Ça quoi? Ça ici? Ça c'est de l'orgeotto. Oui. Il faut parler à Phil, par exemple. Les fromages et le foie gras sur le dessus en tant que tel, c'est certain que c'est gras à la base, c'est le foie qui est gavé dans le foie. Vous avez pas. Vous pouvez mettre une poitrine de volaille là-dessus, il n'y a pas de problème. De l'orgeotto. Les pleureuses boréales, vous avez les champignons en milliard de miel et la chanterelle classique. À la fin des prochains. Ça fait un petit bout si vous avez mangé ça avec huile de truffe et les petits légumes verts, ça fait quelques mois. Il y en a fait une bouchée de foie gras. Ah, ok, oui. Alors, merci beaucoup et on vous dit à la semaine prochaine. Merci, au revoir.